Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movistar Planète et d'ailleurs merci beaucoup pour les salutations, merci, merci. 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 Je pense que ça c'est ceux de la dernière fois au moment où j'ai déconnecté. Oh merci. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va réussir à faire cette vidéo, vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour toutes les salutations. On va mettre l'anti-bug quand même, merci Monica, merci tout le monde, merci Camille. Mais... C'est quoi ce début de vidéo là? Bref, on en arrive à la vidéo. Du coup, comme vous savez, Movistar Planet 2 a été annoncé, donc c'est officiel, voilà, ça a été officialisé, etc. etc. Mais aujourd'hui, on va parler de Movistar Planet d'une autre manière, dans... Enfin, d'une autre manière, non pas vraiment, mais en gros, on m'a dit, oui, regarde le statut de Pixie Star, donc je vais regarder ça de suite. Pixie Star, apparemment, elle aurait marqué dans son QFTU qu'on peut avoir des informations sur Movistar Planet 2 dans le forum. Nous, ce qu'on va d'abord, bah déjà, je vais aller vérifier ce que Pixie, elle raconte. Enfin, si Pixie a envie que j'aille voir quand même son profil, parce que là, c'est un petit peu compliqué, hein. Là, j'arrive même pas à aller charger le profil. Attendez, je vais essayer d'ouvrir son profil et je vous reprends tout de suite. Eh bien écoutez, me revoilà, du coup je suis allée sur le compte de Madame Toilette parce que sur 15 ans je n'arrivais absolument à ne rien faire. Du coup j'ai réussi à ouvrir le profil de Pixie Star, comme vous pouvez le constater, c'est bien le profil de Pixie Star. Parce que vous voyez, regardez, il y a pas, on peut pas enlever des amis, etc. Et effectivement, dans son QFTU, elle a marqué... Movistar Planet 2 va arriver, on est impatient de te révéler tout ça, plus d'infos dans le forum. Donc personnellement, dites-moi si vous êtes déjà allé voir sur le forum ou pas, moi personnellement absolument pas. Et du coup je vais découvrir ça en vidéo en même temps que peut-être certains d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas été voir encore dans le forum. Bah écoutez, déjà on va commencer par mettre qui bug avant que je n'arrive plus à rien faire ici non plus. Et on donne rendez-vous directement sur le forum. C'est parti, le forum, voilà, Movistar Planet 2. Ok, donc, nous avons ici un petit message. Cher Movistar, enfin, c'est avec grand plaisir que nous annonçons que Movistar Planet 2 est actuellement en développement. Nous vous préparons des sondages, des questions, des concours et bien d'autres choses. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il s'agit d'une version bêta, ce qui signifie que le jeu est toujours en développement. Il ne s'agit pas d'un produit fini, et cela va durer assez longtemps, mais nous avons hâte de partager cette aventure avec vous. Plus d'informations seront disponibles très bientôt. Rassurez-vous, la première version de Movistar Planet à laquelle vous êtes habitué est toujours là. Tous ensemble avec Movistar Planet 2, votre équipe MSP super enthousiaste. Écoutez. Écoutez, ça ne fait que, je vais pas vous mentir, ce message ne fait que confirmer mes craintes, enfin confirmer, j'irai pas jusque là, mais ça ne me renforce pas du tout dans mes craintes, enfin si justement ça me renforce dans mes craintes, parce que là j'ai l'impression qu'en fait Movistar Planet 2 ça va être à part et que en plus ils le disent juste, attends... Rassurez-vous, la première version de Movistar Planet à laquelle vous êtes habitué est toujours là. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, Movistar Planet va continuer à exister comme normalement et que... Je sais pas, et que finalement, Movistar Planet 2 sera un jeu à part et du coup, il y aura Movistar Planet 1, Movistar Planet 2, ce seront deux trucs à part. Je pense, peut-être, sur les mêmes fonds finalement, enfin, sur les mêmes, comment dire... Enfin, j'ai pas du tout comment expliquer, mais moi, ça me fait un petit peu peur. Vraiment, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que très rapidement, on aura des détails sur Movistar Planet 2. Parce que moi, personnellement, moi qui voulais repartir sur un nouveau compte creepy, comme je vous l'avais dit, bah maintenant, j'ai pas très envie de le faire parce que je me dis, ouais, si je me lance encore dans un autre compte, même si à la base, c'était creepy, etc., faire un compte qui est un peu dans le dark, etc., payer un abonnement dessus et au final me rendre compte qu'il y aura un nouveau jeu qui va sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Bah comme d'habitude, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour les commentaires, vous voyez, donnés pour la première vidéo de la confirmation de Movistar Planet 2. Il y a pas mal de gens qui sont également dans le doute comme moi. D'autres personnes disent oui, d'autres personnes disent non.
mais au final on n'a aucune réponse concrète. Donc voilà, je vais essayer peut-être de contacter Star Planet, je vais essayer de leur envoyer un petit mail en leur demandant si du coup les comptes seront les mêmes ou pas, parce que c'est très très important et je trouve ça dommage que voilà. Je trouve ça dommage que cette information n'a pas été donnée déjà avant. Bon écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao ciao. I'm